Bien, nous allons commencer. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième briefing opérationnel. Je suis donc Delphine Chen, présidente de l'Afrique, et j'ai le plaisir de retrouver Augustin Roger, directeur général d'Alima, et d'accueillir par téléphone Dominique Gaillard, président de France Soutien Privé d'Alima depuis plus de 3 ans, et qui est venu aujourd'hui et nous rejoint aujourd'hui pour nous apporter son témoignage. Alors, comment ça va se passer? On va tout d'abord entendre donc le témoignage de Dominique. Ensuite, Augustin nous fera un point sur la situation sanitaire et l'évolution de la situation sanitaire depuis les 3 dernières années. Et ensuite, nous répondrons à vos questions. Donc, je vous invite dès à présent à utiliser la petite icône qui est en bas, questions-réponses, pour nous envoyer vos questions auxquelles on répondra dans un deuxième temps. Et puis, donc, dans un troisième temps, nous présenterons les différentes levées de fonds d'Alima et nous montrerons en quoi il est vraiment important qu'au-delà, que nous ayons des soutiens à la fois de personnes physiques et d'entreprises pour reprendre le relais avec les autres types de fonds. Voilà, mais je vais tout de suite la parole à Dominique. Dominique, c'est à vous. Merci beaucoup Delphine, merci à tous d'être présents sur ce webinaire. Je suis très flatté d'avoir été invité. Je voulais peut-être vous donner deux éléments pour lesquels je voulais intervenir. La première, c'est avec ma casquette de président de France Invest, vous savez qui l'association qui regroupe tous les acteurs de capital investissement en France, hein, un très grand nombre d'acteurs qui sont très occupés, comme vous pouvez l'imaginer en ce moment, à défendre, soutenir et aider les entreprises de leur portefeuille dans le cadre de cette crise du Covid-19. Et avec cette casquette de président de France Invest, j'ai été alerté sur toute une série d'initiatives, et d'ailleurs que nous-mêmes avons poussé par ailleurs, hein, d'initiatives d'acteurs du private equity ou de sociétés participation de ces fonds de private equity au bénéfice d'actions humanitaires, mais essentiellement tournées vers les acteurs du soignant, médecin, infirmière, dans les EHPAD, vis-à-vis des médecins de ville, etc. Et tout l'argent qui a été récolté depuis ces 6 semaines maintenant, enfin, presque 6 semaines, a été à 95-97% tourné vers ce type d'action humanitaire et vers ce type de d'acteurs. Aujourd'hui, je pense, après 5 semaines de confinement et de crise, nous voyons bien que heureusement le nombre de personnes qui rentrent en réanimation diminue, que le pic d'activité dans les hôpitaux et les pénuries de médicaments ou de masques ou de surblouses ou de respirateurs, elles existent encore mais à un degré beaucoup moindre. Et donc, il m'a semblé essentiel de pousser ceux qui ont envie de continuer à aider financièrement telle ou telle entreprise, d'essayer de les convaincre, de rebasculer leurs efforts vers l'action qu'Alima va vous décrire un petit peu plus tard pendant ce call. Je pense qu'en effet, on a moins besoin en France d'aide financière pour les structures actuelles et évidemment, il va y avoir des besoins absolument gigantesques sur l'Afrique et en particulier l'Afrique subsaharienne. Je pense qu'il est nécessaire, là c'est avec ma casquette de donateur et de philanthrope, je pense que c'est aussi de notre intérêt à nous de réfléchir ces montants de votre générosité, de la mienne, vers ces zones-là, parce que les besoins, et on va en parler un peu plus tard dans ce webinaire, les besoins vont être absolument très 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 importants. Très bien, merci. Oui, effectivement, nous en reparlerons. Merci beaucoup, Dominique. Je vais laisser la parole maintenant à Augustin. Augustin, quel update tu peux nous faire de la situation en Afrique depuis donc 3 semaines, le dernier brief que nous avons fait? Oui. Remercier Dominique d'abord pour sa participation et toi, Delphine. Donc, aujourd'hui, l'épidémie avance lentement mais sûrement en Afrique. À date, on est à peu près à 25 000 cas et 1 200 morts. Ça fait une mortalité de 5%.
avec des situations très, très disparates au sein du continent, des pays très touchés avec une mortalité élevée, comme l'Algérie, qui a 14% de mortalité. Au sein de l'Afrique subsaharienne, dans les pays les plus fragiles, des situations là aussi décalées, avec des premiers cas qui ont commencé soit en février, soit début mars, soit mi-mars, et qui donnent des lectures épidémiques complètement différentes. Je veux juste vous parler des quelques spécificités épidémiques, parce que je pense que tout le monde a une bonne connaissance de ce qui se passe en France, en Europe, parce qu'on est très bien informé. On l'est moins sur l'Afrique, et il y a quelques spécificités assez importantes. La première, c'est qu'en règle générale, on sait peu de choses sur les épidémies, en particulier quand ce sont des maladies nouvelles, et a fortiori en Afrique, où on a finalement très peu de données, et où ce qu'on sait dépend pas tant de ce qui se passe, de ce qu'on est capable de voir. Donc, on voit des pays avec beaucoup de cas. Ça ne veut pas dire que l'épidémie est nécessairement pire que des pays avec moins de cas. Ça veut dire qu'ils ont davantage de capacités de test. Donc, on a du mal à avoir les bons indicateurs pour lire réellement l'épidémie. Il y a des spécificités un peu positives sur l'Afrique. On a beaucoup parlé de la démographie. Il y a une grande étude très intéressante qui est parue hier, dont vous avez dû entendre parler, qui est notamment faite par Pasteur et qui donnait le pourcentage de personnes potentiellement infectées au 11 mai. Elle donnait aussi des chiffres importants par classe d'âge, où on voit que la mortalité dépend vraiment de l'âge dans le Covid-19, puisque plus de 8% des gens de plus de 80 ans qui sont confirmés avec la maladie en sont morts. C'est 2,2% chez les 70-80, 0,8% chez les 60-70 et 0,2% chez les 50-60 ans. La mortalité est 40 fois supérieure chez les plus de 80 que chez les 50-60. Or, il est évident qu'il y a moins de personnes de plus de 80 et de plus de 70 ans en Afrique. Il y a une hypothèse sur la virulence de la transmission de l'épidémie. Il y a un article scientifique un peu sérieux qui parle de ça, qui dit qu'il y aurait une diminution de la virulence de la transmission en fonction à la fois de la température et de l'humidité. Et pour les zones intertropicales qui rentrent notamment en saison chaude maintenant, puis en saison des pluies, ça pourrait être un facteur qui explique une baisse de la transmission. Les deux autres éléments un peu positifs, c'est un, le fait que au global, la densité de population est quand même inférieure en Afrique à ce qu'on peut voir dans les pays les plus riches. Et puis dernièrement, c'est le fait qu'elle est arrivée un peu plus tard, donc les gouvernements ont pu mettre en place plus tôt des mesures de distanciation sociale, même s'ils ne peuvent pas faire des confinements comme on a pu le faire en France, mais des mesures fortes de distanciation sociale, ça oui, et ça permet peut-être de ralentir la transmission. Il y a aussi des spécificités beaucoup plus inquiétantes, évidemment. La première, c'est la faiblesse des systèmes de santé. Nous, on travaille dans les pays les plus fragiles, j'y reviendrai, mais où il y a des pays très pauvres, avec des PIB de 300, 400 dollars par habitant par an, des dépenses de santé publique de 5, 10, 15 dollars par habitant par an, avec des ratios de 1 médecin pour 5 000, pour 10 000 ou pour 15 000 habitants, même dans certains pays. Donc de 20 à 50 fois moins de ce qu'on peut voir en France, et une sous-utilisation des services de santé. Donc on a vu que la mortalité est plus faible chez les gens plus jeunes. Pour autant, on a aussi vu qu'en France, quand même, la moitié des gens hospitalisés avaient moins de 65 ans. Donc ils sont beaucoup moins morts, mais c'est parce qu'on les a pris en charge. Or, en Afrique, on n'est pas du tout certain de pouvoir les prendre en charge correctement compte tenu de la faiblesse des systèmes de santé, du nombre de lits de réanimation. Il y a, par exemple, en République centrafricaine, il y a 3 respirateurs pour l'ensemble du pays. Dans la plupart des pays dans lesquels on travaille, c'est entre 10 et 30 par pays. Un peu plus au Nigeria, parce que c'est quand même un pays de 200 millions d'habitants. Donc, il n'y a pas de capacité de réanimation. Donc, tous ces patients-là, qui font 20% des patients hospitalisés, on ne pourra pas les prendre en charge. Et donc, c'est un outcome beaucoup plus sérieux qui les attend. Donc, au global, sur l'évolution de l'épidémie, encore une fois, on ne sait pas. On peut avoir une bonne surprise. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais le scénario le plus probable sur lequel planche l'ensemble des spécialistes épidémiaux aujourd'hui, c'est plutôt une épidémie très longue qui ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'on ait un vaccin, très probablement, ou une immunité. Ce sont les mêmes éléments qu'en France et ailleurs dans le monde, mais avec un pic peut-être moindre, qui s'expliquerait par les facteurs positifs que j'ai expliqués, mais une mortalité peut-être plus élevée au sein des populations plus jeunes, parce qu'on ne pourra pas les soigner. Vous avez une question, Delphine ? Est-ce que, Augusta, tu me permets d'ajouter quelque chose ? Allez-y. Tu m'as cité les chiffres de très faible du nombre de médecins.
Je m'éteins. Il y a beaucoup d'écho, mais je vais essayer d'être clair. Moi, ce que je pense, c'est intéressant de comparer ces chiffres aussi avec ce qu'il y a en France. Hein. Le Burkina Faso, tu me disais tout à l'heure qu'il y a un médecin pour 15 000 habitants au Burkina Faso, qui est un des pays les plus touchés par l'épidémie. Hein. En France, c'est 50 médecins pour 15 000 habitants, donc 50 fois plus. Hein. Et quand tu parlais du nombre de lits de réanimation et des respirateurs, Burkina Faso toujours, 13 lits de réanimation, 10 respirateurs pour tout le pays. Quand la France, vous le savez, a augmenté sa capacité de lits de 5 000 à 14 000 aujourd'hui hein, pour répondre à l'épidémie, et elle a produit, grâce à Air Liquide et aux grandes entreprises et aux PME qui sont mis autour d'elle, 10 000 respirateurs supplémentaires à la fin du mois de mai. Hein. Donc, l'importance du dispositif qui est mis en France en retard, bien sûr, mais en France depuis deux mois, n'a rien à voir avec le niveau actuel d'équipement qu'il y a dans les pays d'Afrique subsaharienne. Je pense que c'était vraiment important de faire cette comparaison entre les uns et les autres. Tout à fait. Et pour faire le lien donc, avec la question, merci Dominique, avec la question que j'allais poser, qui est posée par un de nos internautes, quels sont les pays les plus touchés, Augustin? Et est-ce que tu peux nous donner aussi, dans ces pays-là, un peu un état du système de santé capable de répondre à la crise? Alors, nous, déjà, on ne travaille pas partout, évidemment, donc on a des données sur l'ensemble du continent, mais on se concentre sur un certain nombre de pays. On se concentre historiquement sur 11 pays en Afrique de l'Ouest et centrale, qui sont vraiment les pays les plus fragiles en termes de pauvreté, mais qui subissent des chocs, et notamment pour la plupart qui sont en conflit, puisque c'est un petit peu le triple fardeau, on va dire, des endroits dans lesquels on travaille, des pays très pauvres, souvent en conflit, avec en plus une épidémie, en l'occurrence le Covid. Donc, dans ces pays-là, et on a élargi nos projets à un 12e pays depuis le début de l'épidémie de Covid, qui est le Sénégal, parce que c'est un des pays les plus touchés en Afrique de l'Ouest et centrale, où on a notre siège à Dakar. Il y a quand même une règle, c'est qu'il faut aider son voisin en premier. Donc, on avait des équipes à Dakar qui ne pouvaient pas ne pas aider le pays dans lequel ils étaient, même si le système de santé au Sénégal est quand même plus robuste que ce qu'on peut voir ailleurs dans nos 11 pays d'intervention. Les deux pays les plus inquiétants en ce moment, avec le doublement du nombre de cas en 5 jours, ce sont le Burkina et la Guinée, sur lesquels nous sommes très présents. Avec, au Burkina Faso, on appuie les autorités sanitaires dans le CHU de Tengandogo, qui est le CHU qui prend en charge les cas Covid à Ouagadougou. On est passé de 35 lits de capacité à 150 aujourd'hui et normalement, d'ici 10 jours, à 300 lits. Ce qui reste faible finalement pour la capitale d'un pays comme le Burkina Faso. En Guinée, c'est la même chose. On aide le CHU de Donka, qui est le principal CHU de Conakry, où on est passé à 150 lits déjà, avec le plan de monter à 600 lits d'hospitalisation pour les cas sévères de Covid. Donc ça, ce sont nos deux plus gros pays aujourd'hui. On monte des hospitalisations dans... En gros, ce qu'on a choisi de faire, c'est de cibler deux types de populations sur le Covid. D'une part, de monter des grosses hospitalisations dans les capitales des pays où on en a la capacité, parce que c'est là que les densités sont plus importantes et les transmissions plus importantes, donc les pics potentiellement plus importants. Et puis d'autre part, d'intervenir sur les populations les plus vulnérables, celles qu'on a l'habitude de servir, ou là où on est déjà présent. Il y a par exemple deux exemples qui me viennent en tête. C'est à l'est de la RDC, la population au nord Kivu. On est très présent, on a jusqu'à 3 hôpitaux là-bas pour répondre à l'épidémie d'Ebola depuis 1 an et demi. Et évidemment, il y a des cas de Covid. Donc là, le système de santé est complètement à terre après le passage de l'épidémie d'Ebola. Donc on est particulièrement inquiet sur le passage de l'épidémie de Covid. On devait signer en plus, enfin, on devait annoncer la fin de l'épidémie d'Ebola le 12 avril. Le 8 avril, il y a eu un nouveau cas. Depuis, il y a eu 6 cas. Donc là, on a un fardeau. On se retrouve avec un système de santé déjà fragile dans une zone en conflit qui a connu Ebola et qui est encore en Ebola avec du Covid. Là, on va essayer de faire du Covid, ça ne va pas être simple. Et puis, il y a d'autres types d'endroits où on fait du Covid, c'est des camps de déplacés et de réfugiés, qui sont aussi des endroits potentiellement problématiques en termes de taux de transmission, compte tenu de la proximité et de l'impossibilité, non seulement évidemment du confinement, mais même de mesures de distanciation sociale assez basiques. Par exemple, on intervient dans la ville de Monguno, au nord-est du Nigeria. C'est un endroit où il y avait 40 000 habitants, qui a reçu à peu près 200 000 personnes déplacées il y a 4 ans, dans le conflit entre l'État nigérian et le groupe Boko Haram. On est les seuls à faire de la santé donc pour 250 000 personnes, 40 000 hosts et 200 000 personnes déplacées. Et il commence à y avoir des cas dans cette zone-là. Donc là, on est extrêmement inquiets. On a la même problématique avec les déplacés au Burkina, au Niger. Enfin, voilà. Donc on cible, nous, la prise en charge des cas Covid
dans les capitales et dans les zones, a priori, il y a les gens les plus faibles, les plus vulnérables. Oui, parce que comme tu soulignais, que finalement, il y avait quand même des données a priori quand même positives, enfin, en tout cas des pistes de données positives. Il y a quand même aussi d'autres facteurs qui sont bien plus forts en Afrique, et tu l'as souligné, ça peut être le conflit, ça peut être évidemment d'autres types donc, de virus, type Ebola, type la malaria. Et puis, il y a aussi d'autres contraintes qui sont des contraintes dans la mesure qui sont à la fois des contraintes logistiques. C'est-à-dire qu'à partir du moment où effectivement, on est dans une situation qui est sanitaire, qui offre avec un système de santé qui est très faible, vous-même, vous essayez d'aider, mais vous êtes quand même confronté à des contraintes logistiques. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus ? Il y a deux types de contraintes importantes. La première, c'est d'arriver à récupérer du matériel. C'est le matériel de protection. Tout le monde en a besoin aujourd'hui et on est dans un système où c'est le plus offrant qui récupère le matériel. Donc, il y a des pays, et tant mieux quand on y vit, qui ont la possibilité de mettre en place des commandes très, très importantes pour pouvoir protéger le personnel soignant, le personnel à risque et la population. Et c'est nécessaire. Il y a d'autres pays qui n'ont pas les moyens d'acheter ça. Et donc, il y a une course au matériel qui est assez importante. Donc, on arrive à trouver des fournisseurs qui soient disponibles avec des contrôles qualité suffisamment sérieux et solide pour qu'on puisse les sourcer. Et le deuxième type de difficulté, c'est le transport, puisqu'il n'y a plus d'aviation commerciale et qu'une grande majorité du cargo vers les pays d'Afrique dans lesquels on intervient venait avec l'aviation commerciale. Et c'est cette capacité en moins. Et comme c'est le cas mondialement, il y a une tension très importante sur l'aviation cargo, qui fait qu'on a beaucoup de mal à trouver des avions pour ces pays-là. On arrive à travailler avec un certain nombre d'acteurs pour prioriser les cargos humanitaires, particulièrement ceux qui sont dédiés au Covid. Et puis, on espère la mise en place qui est en cours et qui devrait arriver d'ici la mi-mai d'un pont aérien à la fois pour les passagers et pour le cargo mis en place par les Nations Unies. Ok, je reviens un peu au début. Concrètement, en fait, déjà, je remercie les gens qui posent des questions et je vous invite tous donc, à poser un maximum de questions car on est vraiment là pour interagir et Augustin et se tient à votre disposition pour répondre à vos questions. Ça, c'est la première chose. Et donc, une des questions, donc, ça concerne le confinement. Est-ce que tu peux nous faire un point sur le confinement en Afrique, ce qui a été mis, est-ce qu'il est en vigueur partout, depuis quand et quel impact ça risque d'avoir? Alors, il est en vigueur dans quelques pays seulement. Par exemple, en Afrique du Sud, au Rwanda, il est en vigueur dans une bonne partie du Nigeria. Il est appliqué de façon différente en fonction des pays qui ont ou pas la capacité à financer le confinement. C'est-à-dire que le confinement n'est possible quand les populations ont des ressources suffisantes pour arriver à survivre, manger le soir sans avoir à travailler la journée. Donc, dans les quartiers difficiles, par exemple en Afrique du Sud, ils ont mis en place, mais c'est encore compliqué, il y a des tensions, des politiques sociales pour compenser ce manque à gagner. Dans nos pays d'intervention, il n'est quasiment pas, il n'y a aucun pays, mis à part le Nigeria en partie, n'a appliqué le confinement parce que ça n'est pas réaliste, qu'ils n'ont pas les moyens de l'appliquer. Il y avait eu une discussion par exemple en République démocratique du Congo, qui est pas mal touchée, notamment la capitale Kinshasa, où ils avaient discuté du confinement et ça avait donné lieu à des scènes de panique, à une inflation incroyable sur les prix des matières premières, enfin des denrées de première nécessité, pardon. Et donc les autorités ont dû faire une étape en arrière et retirer ce projet. Donc, dans l'ensemble, il n'y a pas de confinement au sein des pays, il y a une fermeture des frontières, parce que politiquement, même si ce n'est pas recommandé d'un point de vue de la santé publique, ça donne l'impression aux populations qu'on fait quelque chose. Il y a des mesures de distanciation sociale qui sont plus ou moins de l'ordre de la santé publique et plus ou moins de l'ordre de la politique. Par exemple, au Niger, il y a les premiers cas étaient uniquement à Niamey. Donc, le gouvernement a fermé la capitale Niamey et a dit qu'il n'y a plus d'échange entre Niamey et le reste du pays, alors que le virus était probablement déjà en dehors. Au Sénégal, il y a un couvre-feu à partir de 20h. Et la journée, on peut sortir, on peut aller travailler à condition, désormais, depuis 48 ans maintenant, qu'on ait un masque.
dans l'ensemble des transports en commun et des endroits où il y a un lieu d'échange, que ce soit au travail ou dans les boutiques. Donc, il y a des mesures comme ça qui sont très positives et qui permettent probablement de limiter la transmission. Mais il n'y a pas de confinement massif, mis à part quelques pays spécifiques dans les pays dans lesquels. Merci. Bien sûr, tu fais le lien entre le confinement et les problématiques économiques. Il y en a une autre dont j'ai parlé avec Dominique et je voudrais poser cette question à Dominique. L'effondrement du pétrole va également avoir un impact sur les économies. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, ce que j'apprenais il y a quelques jours, c'est que dans les pays sur lesquels Anima travaille, un certain nombre d'entre eux sont des économies très, très tournées vers le pétrole, hein, vers l'extraction du pétrole. Des pays comme l'Angola, comme le Nigeria, comme le Gabon sont des pays sur lesquels les ressources provenant des redevances sur la production de pétrole représentent jusqu'à 90% des PNB de ces pays et en tout cas une très, très grosse proportion des financements de l'État et des positions régaliennes de ces pays-là. Et donc, à cause du prix très, très bas du pétrole, depuis quelques jours, vous l'avez vu, hein, parce qu'on ne sait plus où stocker le pétrole extrait, hein, que ce soit aux États-Unis, en Afrique ou au Moyen-Orient, eh bien, le prix du pétrole a baissé jusqu'à devenir négatif, même ponctuellement. Et donc, du coup, les grandes sociétés pétrolières ont décidé d'arrêter leur production, et en particulier d'arrêter leur production dans les zones d'Afrique subsaharienne, offshore ou onshore. Et donc, vous imaginez bien, à terme assez rapproché, d'ici quelques semaines, l'impact qu'aura cet arrêt de la production, parce que ça veut dire que c'est l'arrêt du financement de l'État dans les pays en question, et donc des problématiques de risque de révolte sociale très, très, très importantes. Donc, je pense que si, dans cet océan de situations compliquées hein, qui risquent de se produire dans les quelques semaines, si Anima peut aider à au moins contribuer, mettre sa pierre à l'édifice pour que les systèmes de santé ne soient pas complètement à volo, je pense que c'est vraiment quelque chose de très nécessaire. Je voudrais ajouter peut-être quelque chose. Évidemment, on va faire appel à notre sens de l'humanité, à votre sens de l'humanité, mais je pense qu'il faut peut-être aussi faire appel à notre égoïsme. Aujourd'hui, vous le savez bien, vous le lisez, vous l'entendez à la télé comme moi ou à la radio, le taux de contamination de la population française est de moins de 6% hein, grâce au confinement. Et donc, tout le monde anticipe que cette crise de Covid-19, on va avoir à vivre avec pendant non pas 2 mois ou 3 mois, mais plutôt 2 ans ou 3 ans. Hein. J'entendais ce matin un rapport de McKinsey qui disait qu'on aurait à traiter ça jusqu'en 2024. Je ne veux pas vous démoraliser, mais ça veut dire que le risque de rechute régulière ou de repic des attaques du virus risquent de se produire malgré toutes les mesures qui vont être prises pendant très longtemps en Europe. Et donc, évidemment, vous pourriez me dire, mais de toute façon, l'Europe a fermé ses frontières, la France a fermé ses frontières en dehors des pays européens, et donc on n'a pas de risque comme ça. Si on ne traite pas les problèmes des épidémies en Afrique, on n'a pas de risque de voir cette épidémie revenir à l'Europe par la porte. Moi, je pense que l'Europe ne pourra pas fermer ses frontières de façon complètement étanche pendant 3 ou 4 ans. Et donc, c'est aussi notre intérêt bien compris, me semble-t-il, qu'on aide ces pays à résoudre localement cette crise épidémique pour ne pas prendre le risque que cette crise nous revienne, enfin, cette épidémie nous revienne en boomerang dans nos pays occidentaux qui sont beaucoup plus équipés. Très bien, merci Dominique. Augustin, une question, plusieurs questions sur la question du personnel soignant et de leur formation. Ça fait partie aussi de vos priorités, je crois. Et quelles sont les contraintes que vous avez et quelles sont les solutions qu'Anima propose? Les contraintes sont nombreuses parce que donc notre objectif dans les pays, j'ai vu qu'il y avait une question sur les pays, donc les pays dans lesquels on intervient, c'est le Sénégal, le Cameroun, la RCA, la RDC, le Nigeria, le Niger, le Burkina, le Tchad, la Guinée, le Mali, le Burkina Faso, la Mauritanie et le Soudan du Sud. Donc l'objectif, c'est de créer au moins 1 000 lits d'hospitalisation. Donc ça veut dire le recrutement qui est en cours. On a commencé, on a déjà recruté 400 personnes depuis 2 semaines. On prévoit d'en recruter en tout 1 500 d'ici 2 semaines encore pour avoir fini cette première phase de recrutement. Donc c'est 1 500 personnes additionnelles qui viennent s'ajouter aux 2 000 personnes qui étaient déjà salariées d'Anima pour soutenir les 400 centres de santé et les 35 hôpitaux dans lesquels on intervient. Donc le défi,
c'est d'arriver à trouver ces personnes. En plus, il faut que ce soit des personnes qui n'aient pas de facteur de risque, puisqu'elles vont être en première ligne dans des hospitalisations Covid, et de les former avec plusieurs problématiques médicales. La première problématique, c'est la protection du personnel. Donc, il faut avoir le matériel, mais il faut surtout former les gens qui, dans la plupart des pays, à part ceux qui ont connu Ebola, connaissent finalement peu les normes de biosécurité qui doivent s'imposer dans une hospitalisation Covid. C'est quand même un habillage assez lourd, des procédures d'habillage, de déshabillage, pour pas que les gens se contaminent. On sait que le personnel de première ligne est très à risque et il a fait les frais de cette épidémie déjà. On a peur que ce soit la même chose en Afrique. Donc ça, c'est un énorme enjeu d'arriver à les doter, mais puis surtout les former au respect des règles de biosécurité qui doivent s'imposer dans une hospitalisation Covid et qui sont très élevées. Et puis après, il y a plein de problématiques médicales. Jusqu'où on va en termes de plateau technique et de type de soins qu'on fournit. Donc, la base qu'on veut fournir, c'est quand même d'avoir une bonne antibiothérapie pour les surinfections, d'avoir un accès à l'oxygène non invasif grâce à des concentrateurs à oxygène, d'avoir accès à des moyens de lutter contre la douleur pour ceux pour lesquels on ne peut pas aller plus loin. Et puis, on a des discussions pour aller plus loin et augmenter la capacité en ventilation mécanique, donc des vrais lits de réanimation. Avec des partenaires. On ne pourra pas le faire dans des proportions importantes parce qu'il faut beaucoup de personnel spécialisé pour faire ça et qu'on n'en a pas suffisamment dans ces pays-là et qu'il n'y en a pas suffisamment dans le monde pour venir aider pour le moment. Mais c'est des choses qu'on regarde aussi. Donc, un, la biosécurité et puis deux, former le personnel pour élever petit à petit le plateau technique pour arriver à baisser la mortalité. Ok, une question donc du public. Quelles sont les trois priorités en termes de matériel ? Un, la protection du personnel de santé. Donc là, ce sont les masques FFP2, dont vous avez entendu parler, des lunettes ou des shield masques et des combinaisons à usage unique. Il en faut des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, rien que pour les hospitalisations qu'on soutient, nous. Donc ça, c'est la priorité numéro un. La deuxième, c'est les concentrateurs à oxygène dont je parlais, qui sont des petites unités de production d'oxygène individuelles, qui produisent jusqu'à 10 litres par heure, ce qui suffit à 80% des patients Covid sévères. Il n'y a que 20% des patients qui auront besoin de davantage d'oxygène et donc d'être intubés, ventilés, avec ce qu'on appelle des respirateurs. Et pour 80%, ces unités d'oxygène suffisent. Donc, il nous en faut pour nous 800 à peu près, voire 1000 avec les différents modes de calcul. Donc là, on a trouvé des fournisseurs, puisqu'on avait déjà des projets importants sur l'oxygène, donc on connaissait bien. Et puis la troisième chose, et là c'est beaucoup plus compliqué, c'est encore plus compliqué, c'est l'ensemble du reste des médicaments qui vont des antibiotiques jusqu'aux antidouleurs, par exemple. Il est très difficile de pas donner aux patients de quoi les accompagner pour ceux qu'on ne pourra pas sauver. C'est apparemment, de ce que disent nos collègues, des morts très difficiles, très compliquées, très douloureuses. Et par exemple, d'arriver à approvisionner ces pays-là en médicaments pour faire des soins palliatifs corrects, c'est extrêmement difficile parce qu'il faut des licences d'importation spécifiques. Enfin, c'est autant de challenges qu'il y a de pays et de molécules. Donc, le matériel de protection, les concentrateurs à oxygène et l'ensemble le matériel de protection pris en charge. Et justement, je rebondis sur les concentrateurs. Une question, comment vont-ils être répartis par pays ? Comment est-ce que vous allez faire la répartition par pays ? Alors, on a un plan qui dit voilà où on va faire nos 1000 lits. Et donc, il y a besoin à peu près pour chaque lit d'un respirateur. Et puis, c'est un plan qui évolue pas d'un jour à l'autre, mais de la semaine à la semaine en fonction de l'évolution épidémiologique et en fonction de nos capacités aussi. Parce qu'il y a il faut que les équipes locales puissent porter quand même la création de ces projets. Sachant qu'on n'arrive toujours pas à envoyer d'expatriés sur le terrain puisqu'il n'y a plus d'avions, on pourra en reparler. Donc, on fait des choix. Donc, à la fois, là, pour le moment, on envoie on a 250 concentrateurs qui vont partir cette semaine, qu'on dispatche en fonction des besoins. Et puis, on va avoir une deuxième commande qu'on passe cette semaine qui sera redispatchée et les besoins auront peut-être évolué par rapport au plan actuel. Et puis, par ailleurs, on construit un stock central pour pouvoir ensuite ajuster. Très bien, merci. Un mot sur la recherche médicale en Afrique, sur le continent. Quelle est sa spécificité ? Où est-ce qu'on en est ? Est-ce que vous avez des contacts avec des labos ? Comment ça se passe en relation avec les laboratoires ? Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur la recherche ? La recherche en Afrique, il faut la faire à deux conditions, qu'elle soit directement utile pour les patients et les patients africains.
et deuxièmement, qu'elle respecte les mêmes standards éthiques que ce qui se fait ailleurs dans le monde. Et il y a eu une polémique que certains d'entre vous ont dû suivre plus ou moins suite à des propos tenus par deux chercheurs INSERM sur LCI qui ont vraiment mis le feu aux poudres sur LCI, légitimement, puisque ce qu'ils disaient n'était juste pas acceptable. Donc, c'est, du coup, il y a une vraie tension et c'est compréhensible de la part des médecins, des populations, des décideurs politiques en Afrique. Pour autant, il ne faut pas non plus s'interdire de faire de la recherche si elle respecte ces deux critères. Si on reprend Ebola, si on voulait trouver un médicament, c'était nécessaire, il fallait faire de la recherche dans les pays du Sud, en Afrique, puisque c'est là qu'il y avait la maladie. Ça a été fait par des chercheurs africains, des médecins investigateurs africains. C'est eux qui ont trouvé le remède et on a aujourd'hui un remède contre Ebola. Ça peut être la même chose sur un certain nombre de domaines en Afrique. C'est les patients, pour avoir accès à des molécules prometteuses, tant qu'il n'y en a pas une qui a démontré son efficacité, il faut mettre en place des essais. Donc, on travaille avec des chercheurs africains, des médecins africains, pour voir quel protocole pourrait être le plus adapté. Ça sera fait, si c'est utile pour les populations, dans le respect des mêmes standards éthiques. Et pour le moment, ce sur quoi on s'oriente, c'est vers évaluer l'efficacité de molécules pour des traitements précoces. L'idée n'est pas de regarder l'efficacité pour des gens qui sont déjà très malades à l'hôpital, comme la plupart des essais ont pu avoir lieu en Europe. Mais nous, l'objectif, c'est d'éviter que les gens tombent très malades et n'aient besoin de lits d'hôpitaux, parce qu'il n'y a pas de lits d'hôpitaux. Donc, on veut évaluer, dans le cadre d'un consortium africain, l'efficacité de plusieurs molécules où on mettrait les gens tout de suite sous traitement, comme on a pu entendre parler sur l'hydroxychloroquine en France dans le protocole du professeur Raoult. Eh bien, en comparant. Et quel est ton point de vue là-dessus d'ailleurs? En comparant plusieurs. On n'a pas de point de vue, nous, à l'IMA, on suit ce que recommandent les ministères de la Santé des pays dans lesquels on intervient. Ce n'est pas à nous d'avoir une position, de recommander quelque chose. C'est ni à une ONG, ni à un politique de décider quel médicament doit être pris. C'est aux scientifiques et aux autorités sanitaires et de réglementation derrière de prendre en compte ce qui a été dit. Donc, nous, on s'inscrit là-dedans. Il y a des pays dans lesquels on est où le protocole de base, c'est l'hydroxychloroquine. Donc, on le suit. On essaye de le faire avec beaucoup de précautions parce qu'il y a quand même pas mal d'informations qui nous font penser qu'il faut être très vigilant, notamment dans sa combinaison avec l'azithromycine pour les patients sévères. Donc, on essaye de mettre en place des protocoles qui permettent de faire ça. Mais ce qu'on voudrait, c'est pouvoir le comparer à d'autres médicaments et avoir des éléments de preuve plus tangibles que ce qu'on a pour le moment, qui, selon le consensus de la communauté scientifique, est encore très insuffisant. Alors, nous, on connaît assez mal, finalement, la recherche médicale en Afrique. Tu peux nous dire quels sont les pays dans lesquels il y a des laboratoires les plus performants et avec lesquels tu travailles? Alors, nous, on est par ailleurs historiquement membre d'un consortium qui s'appelle ALERT et qui réunit 24 institutions académiques de recherche, dont les deux tiers en Afrique. Donc, on a des partenaires de recherche dans la totalité de nos pays d'intervention. Il y a des équipes extrêmement solides en RDC, au Sénégal, au Burkina Faso, au Cameroun, enfin vraiment au Niger. Enfin, je ne veux pas en oublier parce qu'il y a un institut Pasteur à Bangui, en République centrafricaine. Donc, il y a moyen de faire aujourd'hui de la recherche avec des équipes solides dans la totalité des pays dans lesquels on est. Très bien, merci. Si vous en êtes d'accord, je vous propose qu'on passe un peu à la question de la levée de fonds. Peut-être vous présentiez donc les différents fonds que ALIMA met en place et qu'après, on rentre un peu dans le détail des besoins d'ALIMA à court terme et de la raison pour laquelle on a vraiment besoin de fonds privés et de fonds à la fois de personnes physiques et d'entreprises pour prendre le relais. Est-ce que l'un d'entre... Alors, je ne sais pas si Dominique, vous voulez décrire les trois fonds ou comment est-ce que... Ah, je pense que je vais laisser Augustin Lévisé. Parce qu'il en parlera mieux que moi. Mais par contre, je dirais pourquoi il y a un effet de levier de fonds, il y a une entrée certaine de trois fonds par des dons privés pour accélérer l'obtention de fonds institutionnels. Augustin, je te laisse parler des trois fonds institutionnels. Oui, alors notre modèle de financement est basé sur projet par projet. On demande des fonds à des bailleurs institutionnels. Donc nos premiers bailleurs, c'est la Commission européenne qui est à peu près un tiers de notre budget. Le gouvernement américain, qui a une grande agence d'aide internationale, qui fait à peu près un quart du budget d'ALIMA, les agences des Nations Unies, ou des grandes fondations type la fondation Gates, qui est assimilable à un bailleur institutionnel, qui nous finance projet par projet. C'est des dépenses qui sont directement fléchées. Donc ça, on arrive à être relativement bien financé. Ce qui est difficile, c'est de financer un certain nombre de choses que ces bailleurs refusent de prendre à leur compte.
et qui permettent l'effet de levier que Dominique évoquait. Par exemple, en Guinée, pour commencer à soigner les gens, on a discuté avec le ministère de la Santé qui avait des besoins immédiats parce qu'il y avait des patients dans l'hôpital, ils n'avaient pas de matériel de protection, ils n'avaient pas de personnel additionnel. Donc, on a dû, nous, utiliser notre fonds d'urgence, c'est le premier fonds des trois fonds, qui permettent d'engager très rapidement, en 24 heures, immédiatement, dès qu'il y a un besoin, les premiers euros qui vont permettre de commencer à appuyer une population, un hôpital ou un centre de santé, en attendant qu'on puisse aller discuter avec des bailleurs institutionnels. Donc là, par exemple, en RDC, en Guinée, la première semaine, on a dû utiliser notre fonds d'urgence, on a dépensé 50 000 euros. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Et là, on est en négociation pour des contrats beaucoup plus significatifs avec des bailleurs de fonds qui vont permettre de soigner des gens pendant plusieurs mois. Ça, c'est le fonds d'urgence. Le second fonds, c'est le fonds pour le développement des ressources humaines et du leadership humanitaire. Le modèle d'Alima, il est construit sur la subsidiarité. Aujourd'hui, notre siège est basé à Dakar. 98% du personnel est africain, y compris tous les directeurs pays, la grande majorité des gens au siège à Dakar. Et ces personnes-là, il faut les recruter, il faut les former, il faut les accompagner. Et c'est eux qui permettent d'avoir une réponse beaucoup plus réactive. Par exemple, aujourd'hui, si notre leadership n'était pas sur place, on ne pourrait pas se permettre d'augmenter la capacité en nombre de lits, tout simplement parce qu'on ne peut pas envoyer de personnes depuis l'Europe aujourd'hui. Donc, heureusement que ce modèle nous permet d'être réactif, mais ça a un coût. Donc, comme je le disais, donc ça, c'est le fonds de développement des talents humanitaires africains qui consiste à lancer des campagnes de recrutement. Là, par exemple, on a des 100 personnes à l'international, en Afrique régionale à recruter. On a lancé une campagne, ça a un coût. On leur propose des masters ensuite pour les former, des séances de formation. Enfin, il y a tout un programme. Et puis, le troisième fonds, c'est pour la recherche. On évoquait le type de projet de recherche qu'on met en œuvre. On en met en œuvre une vingtaine aujourd'hui dans nos projets. De la même façon, sur le Covid, on arrive à trouver des bailleurs pour financer la recherche, mais ce qu'on ne trouve pas, c'est un coût pour développer. Entre le moment où on a une idée de recherche et le moment où on trouve un bailleur, il y a du temps de travail. Il faut faire une revue de littérature, il faut rencontrer d'autres chercheurs, il faut calculer une taille d'échantillon, faire des biostatistiques. Enfin, il y a un certain nombre de choses à faire pour développer un protocole. Et ça, c'est un coût que supporte notre fonds pour le développement de la recherche l'humanitaire. Donc, ces trois fonds-là totalisent un besoin pour l'année avec le Covid et qui en prend une grande partie d'€1 million, 500 000 pour le fonds d'urgence, 300 000 pour le fonds RH et 200 000 pour le fonds recherche. On a déjà levé à peu près 300 000 euros sur ce million, mais enfin, on est encore loin du compte par rapport aux besoins. Et il y avait une question, j'ai vu sur, par exemple, le nombre de décès du choléra en RDC qui est supérieur au nombre de décès Covid, c'est une réalité et c'est ce que le fonds d'urgence aussi nous permet de faire. Ce n'est pas un fonds exclusivement dédié au Covid, mais nos équipes restent réactives aux autres urgences. On continue à avoir de la rougeole, du paludisme, de la malnutrition et à le prendre en charge. Ça reste la grande majorité de notre activité sur le terrain. Il va y avoir de nouvelles épidémies, c'est inévitable en soi. En plus, la vaccination, par exemple, est quasi inexistante aujourd'hui à cause du Covid, donc on ne vaccine plus contre la rougeole. Donc on aura beaucoup plus d'épidémies de rougeole à partir de la deuxième partie de l'année, dans les années à venir. Donc, c'est tout assez catastrophique comme conséquence indirecte dont on ne parle pas encore, et qui en termes de mortalité peut même être supérieure au Covid lui-même, comme ça a été le cas d'Ebola. Et donc ce fonds d'urgence, on en a besoin pour répondre à ces urgences qui, du coup, vont passer complètement sous le radar. Donc, on en a besoin pour du Covid, parce qu'il y a plein de choses à faire en Covid, évidemment. Mais pour le reste aussi, ça a passé sous le radar, sans intérêt, tout le monde est sur Covid. Et donc, le choléra, la malnutrition, la rougeole, on va avoir besoin de notre capacité à générer des fonds et à les mettre pour aller soigner les gens. Voilà les et si fonds. Je peux compléter tout ça, moi, c'est en fait, quand je suis rentré en contact avec Alima, c'est ça qui m'a motivé à montrer généreux vis-à-vis de votre ONG il y a 3 ans, c'est que cette structuration en fonds, elle permet d'avoir un fléchage de l'utilisation précise des fonds suivant ce sur quoi on a envie, nous, en tant que donateurs, de mettre l'accent, soit la formation, l'urgence ou la recherche. Et puis deux, je trouve que c'est vraiment très satisfaisant humainement pour nous de nous dire que grâce à notre don, on a cet effet démultiplicateur qui correspond au fonctionnement d'Alima, qui est de dire à partir de l'initiation des actions d'Alima sur ces trois sujets, eh bien, ça permet d'alimenter la pompe et de rendre Alima plus convaincant dans les premiers résultats obtenus pour aller chercher des montants beaucoup plus importants, mais beaucoup plus tardifs, hein, puisque ça prend du temps à négocier avec les entités
les organisations dont Augustin parlait tout à l'heure. Et donc, cette épidémie d'indicateur de notre action, je la trouve, moi, personnellement, très, très, très motivante. L'effet des multiplicateurs, c'est entre 5 et 10, hein, si j'ai bien compris. Et donc, pour le million qui est recherché aujourd'hui, vous voyez, c'est une capacité d'aller, pour Alima, d'aller chercher une dizaine de millions auprès de ces grandes institutions qui financent ces projets de santé. Tout à fait. Merci, Dominique. Et d'ailleurs, dans ce sens-là, ça permet une dernière chose, ces trois fonds, c'est aussi de rendre des comptes aux donateurs. Et là, on sort à la fin de la semaine le rapport de campagne sur les trois fonds qui étaient déjà structurés comme ça donc les années passées. Et on explique ce qu'on a levé en 2019 pour chacun des fonds et ce qu'on a fait et l'effet de levier que ça a permis dans la réalité. Donc, c'est aussi un mécanisme pour pouvoir rendre compte en réalité de ce qu'on fait de l'argent levé. Et puis, justement, est-ce que vous pouvez témoigner en tant que témoin, justement, en tant que donateur, quel regard vous avez et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la manière dont, justement, Alima organise ses fonds et sur les actions qui ont été menées? Alors, deux choses. La première, effectivement, j'avais vu toutes les campagnes qui avaient été faites par Alima sur Ebola et j'avais été vraiment impressionné par à la fois l'implication des équipes locales pour l'éradication ou en tout cas le contrôle de cette épidémie en RDC, et je trouvais que c'était vraiment fantastique. Et aussi, ce que je trouve vraiment intéressant en tant que donateur, c'est qu'en fait, les gens qui sont aux commandes et qui animent tous ces projets de recherche ou de santé ou d'humanitaire, sont des gens locaux, c'est des gens qui sont sur les pays sur lesquels il faut agir plutôt que d'avoir des gens qui viennent de Paris ou de France en tout cas, ou de pays occidentaux. Et donc, d'être au plus près de la situation problématique, de comprendre un peu comment fonctionnent les populations, parce qu'on fait partie de ces populations, ça me paraît être un gage d'efficacité et de permanence en plus de la présence qui me paraît vraiment à mettre en avant dans le formatage de l'action d'Alima. Très bien, merci. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur le fonds, la levée de fonds? Et sinon, je vous propose qu'on poursuive parce qu'il y a eu pas mal de questions entre-temps. Je vous remercie tous pour vos questions. Concernant la levée de fonds et le montant des levées de fonds, de toutes les manières, je crois que derrière, il y aura un mail qui va être envoyé par Alima, tu me le confirmes, Augustin, de façon à ce que chacun puisse... Un peu le détail de la participation possible et des dons possibles. Je peux peut-être juste rappeler les chiffres qu'a brièvement mentionné Augustin. 500 000 euros sur le fonds urgence, dont 250 000 euros ont déjà été levés, donc 250 000 euros additionnels dans le cadre de ce fonds urgence pour protéger les hôpitaux et avec les lits dédiés et pour initier les commandes, des commandes et les recrutements d'urgence. 300 000 euros sur le fonds recherche afin de développer les protocoles de recherche initiaux pour soumettre des essais cliniques, pour recruter des chefs de projet recherche, parce que l'urgence ne doit pas empêcher d'étudier aussi des maladies trop peu connues. Et puis, 200 000 euros sur le fonds formation pour apporter un support technique et des sessions de formation au ministère de la Santé, en particulier dans les pays où Alima n'est pas capable de prendre en charge ces équipes-là. Donc, c'est pas des sommes considérables, c'est à la portée de nous, collectivement. Et donc, ce serait vraiment super si Alima pouvait récolter auprès de vous, auprès de nous, ces montants assez rapidement. Oui, bien que le programme proposé par Alima est totalement opérationnel et qu'on a vraiment besoin de pouvoir gérer l'urgence aussi, sur les différents fonds, mais gérer l'urgence. Et on voit bien que la rapidité avec laquelle des personnes privées ou des entreprises peuvent intervenir va permettre finalement de contenir la situation ou en tout cas de faire en sorte qu'Alima ait un impact beaucoup plus important puisque très rapide. Donc ça, je pense qu'il faut le souligner. Et donc, comme on le disait, vous recevrez un mail un peu détaillé. Je pense que c'est important de le dire parce que c'est quand même l'objet de ce brief opérationnel sur la situation et ce qu'on peut faire. Voilà. Je ne sais pas si Augustin, tu veux ajouter quelque chose. Sinon, on passe aux questions complémentaires. Alors, il y a eu pas mal de questions. Donc, sur les tests, comment sont réalisés les tests Covid sur place aujourd'hui? Les pays sont-ils équipés? Notamment, que pensez-vous de l'initiative de l'Institut Pasteur de Dakar sur le test rapide? Alors, aujourd'hui, les tests dans tous les pays sont réalisés au niveau central, quasi exclusivement dans les capitales.
par la technique de RT-PCR. Donc, c'est le même gold standard que ce qu'on utilise en France. Il n'y a pas de test alternatif pour le moment qui soit utilisé. Il y a plusieurs problèmes sur les tests. Un, c'est le nombre d'endroits par pays qui sont capables de les faire. Donc, il n'y a souvent qu'un laboratoire avec des stocks de réactifs très limités. Et le problème de toute la logistique pour le reste du pays. C'est-à-dire que si quelqu'un est très malade dans un hôpital de district ou un centre de santé, d'une part, il n'y a absolument pas le matériel pour faire un prélèvement, qui est du matériel très spécial, comme vous avez déjà pu en parler, enfin, qui n'est pas non plus rocket science, mais bon, il faut ce matériel-là et pas un autre. Et puis, il n'y a pas du tout de chaîne logistique pour envoyer les échantillons au laboratoire central. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne voit quasiment pas ce qui se passe en dehors des capitales, ou des quelques, en RDC par exemple, il y a des labos à l'Est, parce qu'il y avait Ebola, donc on arrive à voir. Mais au Nigeria, on voit un peu dans quelques États où il y a des labos, mais sinon, on ne voit pas ce qui se passe, et ça, c'est un problème. Les tests diagnostiques rapides, qui sont des tests que tout le monde peut effectuer, il suffit de prendre une goutte de sang au bout du doigt, on a une réponse en 10 à 20 minutes. Il y en a un certain nombre qui sont en train d'arriver sur le marché, mais avec, il y a deux indicateurs dans un test diagnostique, la sensibilité et la spécificité. Plus la sensibilité est élevée, moins vous avez de faux négatifs. Plus la spécificité est élevée, moins vous avez de faux positifs. Un bon test, il est les deux. Ceux-là sont quand même très peu sensibles. Donc, il faut les prendre avec beaucoup de précautions. Il y a pas mal de réflexions sur quel usage en faire. C'est-à-dire que si quelqu'un est négatif, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il est négatif. Donc, il ne faut pas le renvoyer chez lui. Où il va se dire c'est bon, je suis négatif, contaminer les gens, pas venir à l'hôpital s'il est malade. Donc il n'y a qu'une réflexion autour de l'usage de ces tests qui sont en train d'arriver. C'est encore un peu tôt pour dire exactement comment ça va être fait. C'est des choses qu'on regarde évidemment. Très bien. Il y a une autre question, donc, notamment liée. Donc, à la fois, il y a la question des tests, qui, comme tu le soulignes, même en France, on sait qu'ils ne sont pas forcément encore totalement fiables et totalement au point. Mais il y a également, évidemment, la question des statistiques, des chiffres. On sait très bien, est-ce que tu peux nous faire un point, évidemment, sur la différence, bon, c'est le cas en France, mais c'est encore plus le cas en Afrique, entre les chiffres officiels et les chiffres réels, et est-ce qu'elle compte avoir comment dire, un rôle dans la remontée d'informations sur le nombre de décès et donc sur le nombre de cas en fonction de votre, évidemment, votre place grâce à votre présence sur place? C'est quelque chose qu'on voit dans toutes les épidémies. Quand il y a une faible utilisation des services de santé, ce qui est vraiment le cas dans les pays dans lesquels on travaille, en particulier des zones. Dans ces pays-là où on est, des zones rurales, où on est souvent à plusieurs journées de marche du premier hôpital. La moitié de la population habite à plus de 5 km du premier centre de santé. Et le centre de santé, ensuite, il est souvent loin de l'hôpital. Donc, les gens meurent à la maison, donc on sous-estime par définition la mortalité. Dans quelle ampleur, on ne le saura qu'après, malheureusement. Ça va être très difficile de savoir ça en temps réel. Ce sur quoi on travaille dans les différentes épidémies, c'est d'essayer de faire sortir les gens malades. Donc, en travaillant sur deux piliers, l'offre et la demande. D'abord, l'offre de soins. La meilleure façon que les gens viennent se faire soigner à l'hôpital pour eux, pour survivre et pour moins contaminer de gens, c'est qu'il y ait une bonne offre de soins à l'hôpital. Si vous avez des soins payants, de mauvaise qualité, sans contrôle de l'infection dans l'hôpital, les gens ne vont pas venir, ils vont voir que c'est un mouroir. S'ils entendent parler d'histoires positives, qu'on voit qu'il y a de la protection, qu'il y a des bons repas, que la famille peut venir, là ils viennent, et s'il y a une chance de survie, évidemment. Nous, on va surtout travailler sur l'offre, on va aussi travailler sur la demande, c'est-à-dire passer le message avec les communautés, le plus souvent avec des partenaires, d'autres ONG, l'État, des ONG locales, ça dépend, pour sensibiliser la population à une augmentation de l'utilisation des services de soins dans ce cadre épidémique, ce qu'on fait à chaque fois dans les épidémies. Et est-ce que vous mettez en place, comme on commence à le voir dans un certain nombre d'hôpitaux, c'est-à-dire des lieux d'accueil en fait, des malades pour éviter qu'ils rentrent dans l'hôpital, c'est-à-dire tout un système de traçage en fait, et d'accueil spécifique? Ça, vous l'avez mis en place? Alors ça, on le fait non seulement dans les hôpitaux Covid, évidemment, mais dans l'intégralité des structures de santé qu'on appuie indépendamment du Covid. Donc on appuie à peu près 400 centres de santé et 35 hôpitaux. On a rajouté 200 centres de santé. Dans lesquels on va faire ce qu'on appelle le contrôle et la prévention de l'infection, qui consiste à mettre en place des circuits de triage des patients pour que tout patient suspect ou à risque et ne contamine pas le personnel et le reste des patients.
Donc, on va le faire dans plus de 600 structures de santé. C'est en cours, c'est un travail assez significatif. Donc, à peu près 600 centres de santé et 35 hôpitaux. Pardon, j'enlève mon micro, pardon. Une autre question concernant donc, le fonds de formation, parce qu'en fait, en réalité, on voit bien que comment est-ce que vous allez vous organiser pour faire monter en puissance la compétence en ressources humaines, puisque tu as dit qu'il était très compliqué en plus de faire du transfert de compétences, puisque en plus, les gens ne peuvent plus se déplacer. Donc, comment vous allez pouvoir faire concrètement pour qu'il y ait une montée en puissance des ressources humaines, sachant que les soins de réanimation et les soins palliatifs ne s'improvisent pas, c'est-à-dire évidemment que c'est vraiment une compétence très particulière. Tout à fait. C'est pour ça qu'on va commencer avec un niveau de soins qui est réaliste sur plusieurs centaines de lits, donc des soins médicaux corrects, pas dangereux pour les patients, et ce n'est pas si simple dans le cas du Covid, avec de l'oxygène. Et déjà, quand on aura fait ça, tout en protégeant le personnel de santé sur 1000 lits, on sera content et ce sera énorme. En termes de montée des capacités, après, c'est sur la réa, ce que je disais tout à l'heure, et là, on a besoin de spécialistes européens. On en a quelques-uns en Afrique, le président d'Anima, par exemple, hein, docteur Richard Cogent, c'est un anesthésiste réanimateur congolais. Mais c'est sûr que sur la réa, on a besoin d'Européens, et plus la courbe va baisser en Europe, plus il sera possible d'en envoyer faire de la formation. Là, par exemple, on a un pédiatre réanimateur allemand qui est prêt à partir et on se bat pour arriver à trouver comment l'envoyer là où on a le plus gros besoin en ce moment, là-dessus, qui est au Burkina Faso. Et donc, on va mettre en place cette collaboration médicale et scientifique avec des spécialistes, ce qu'on est en train de recruter, qu'on va envoyer au fur et à mesure. On regarde aussi pour faire des... Enfin, on a déjà fait, mais pour changer d'échelle sur de la formation à distance avec des webinars avec des spécialistes pour monter le niveau technique des médecins localement qui, sans être spécialistes, pourraient commencer à acquérir un certain nombre de gestes. Mais il faut être très prudent, très sérieux dans cette affaire parce que la réa, c'est quand même lourd, compliqué et avant tout, il ne faut pas nuire. Donc, il faut le faire parce qu'on a besoin de cette dynamique-là pour les équipes soignantes parce que chaque lit de réanimation qu'on ouvrira en plus, même si ça ne sera jamais suffisant, à chaque fois, c'est quand même une personne potentiellement sauvée. Donc, ça vaut le coup de le faire. Mais en restant humble et en allant et prudent sur un plateau technique trop haut. Très bien. Merci, Augustin. Une dernière question. Et ensuite, je vous laisserai la parole à chacun pour un petit mot de conclusion, puisqu'on arrive presque à la fin de notre heure. Première question donc, concernant la coordination avec les autres ONG. Et la deuxième également avec l'OMS. Donc, comment vous travaillez avec les autres ONG et puis avec l'OMS ? Avec les ONG, on se coordonne à trois niveaux, au niveau macro, global, en termes de stratégie, de positionnement et de pays prioritaires. Nous, on se coordonne surtout avec MSF, parce qu'on est vraiment les deux seules ONG au monde aujourd'hui à faire du case management de façon significative, donc à créer des capacités hospitalières pour les patients. Les autres ONG ne le font pas. On est en train d'essayer d'en convaincre d'autres de le faire, quitte à les aider. Donc, on se coordonne beaucoup avec MSF pour dire, nous, on prend tel pays, telle capitale, et vous, là, au niveau macro. Et puis, on se coordonne très fort au niveau régional et au niveau pays. Donc là, c'est sous la coordination des États, parce que c'est des États qui, légitimement et efficacement, ont le lead dans la riposte contre le Covid. Nous, très souvent, on co-lead les commissions prises en charge dans ces pays-là. Donc, on accompagne vraiment l'État sur la stratégie de prise en charge médicale des patients sévères. Et donc il y a beaucoup de réunions, ça n'y a pas de problème, à la fois sur l'ensemble de la riposte et par commission pour se coordonner avec l'État, les différents acteurs et l'OMS. Et par ailleurs, l'OMS, on se coordonne aussi au niveau global. On est membre d'un certain nombre de comités d'experts sur la prise en charge et la recherche, qui fait qu'on arrive à suivre les dynamiques et à participer un peu à l'agenda. Merci. Allez, une toute dernière question. Concernant le Covid-19, avez-vous des échanges concernant les tests PCR et sérologiques, notamment avec la Fondation Mérieux ? Oui, on parle avec la Fondation Mérieux. On parle beaucoup avec le Conseil scientifique aussi, parce qu'il y a, nous, on est très proches, enfin, on connaît bien Jean-François Delfrécy et Yazdan Pana, qui sont donc le président et un membre du Conseil scientifique avec qui et le professeur Denis Malvy, avec qui on a pas mal de projets en cours depuis plusieurs années. Donc, on a un bon accès à l'information scientifique via ce biais-là. Et donc, on suit la question de la production des tests sérologiques qui, pour le moment, malheureusement,
Alors, il y a une nouvelle qui vient de tomber cet après-midi, mais elles ne sont pas encore suffisamment robustes, notamment sur la sensibilité. Il semble qu'il y a des débats très vifs au sein de la communauté scientifique sur l'utilisation aujourd'hui opérationnelle de cet assay. Très bien, merci. Donc, cette émission touche à sa fin. Je voudrais laisser donc à Dominique le temps de faire un petit mot de la fin par rapport à tout ce qui s'est dit, à la fois, donc, je le répète, sur la situation sanitaire, sur les actions d'Anima et bien sûr sur la levée de fonds. Ouais, je vais me concentrer sur la levée de fonds. Moi, j'ai été absolument impressionné et fasciné depuis 5 semaines sur la générosité des Français pour aider le système sanitaire français dans toute une série d'initiatives avec une très grande imagination d'aide et des groupes qui sont mis en place pour qui fabriquer des visières par impression 3D, qui pour fabriquer des masques, faire des tutos, etc. Et puis financièrement, bien sûr, avec des sommes très importantes qui ont été allouées à ce système sanitaire français. Je pense que maintenant, c'est le moment d'aller vers d'autres combats et de diriger cette générosité, très forte, vers d'autres zones géographiques qui sont, elles, seront beaucoup moins aidées, hein, et qu'on a encore plus besoin. Et donc, Anima me paraît vraiment un très, très bon vecteur pour orienter cette générosité vers des populations qui, sans l'aide d'Anima, seront vraiment complètement laissé de côté, et donc je ne peux que nous inciter collectivement à faire preuve de générosité dans ce cadre-là. Merci beaucoup Dominique. Augustin, un petit mot de la fin s'il te plaît. Oui, je voulais, quand on a créé Alima il y a 10 ans, on avait eu une intuition qui était de dire il faut que l'humanitaire soit beaucoup plus local, ce qui coule de source, hein, mais donc c'est vraiment le modèle de cette organisation, et malheureusement l'histoire démontre que c'est indispensable, et on se retrouve aujourd'hui avec une organisation dont le leadership est sur le terrain et qui permet sur le terrain de répondre immédiatement à ses besoins, avec nous en Europe qui faisons ce qu'on a à faire et ce qu'on a encore à faire ici, lever des fonds, trouver des spécialistes qu'on ne trouve pas encore en Afrique et aider à trouver du matériel qu'on ne produit pas encore dans les pays d'intervention. Ce modèle-là, il permet de faire en sorte qu'aujourd'hui, on soit capable en très peu de temps d'avoir une réponse opérationnelle, concrète sur le terrain, forte, impactante, et qui prépare l'avenir en formant du personnel et en faisant de la recherche. Voilà, donc c'est juste, j'aurais jamais imaginé qu'une opération démontre à ce point la pertinence du modèle et de l'impact de l'organisation pour laquelle on travaille. C'est malheureusement le cas avec Covid, mais du coup, on a quand même un devoir vis-à-vis de nos collègues qui se retrouvent sur le terrain avec un savoir-faire, avec des possibilités de soigner, et il ne faudrait pas qu'il manque les quelques trucs qui peuvent manquer pour réussir tout ça. Ce serait vraiment trop difficile pour eux sur le terrain. Donc voilà, c'est là où on en est. Je voulais juste dire, j'ai pas pu répondre à toutes les questions, mais je le ferai par écrit après pour ceux auxquels on n'a pas pu répondre. Je ferai avec plaisir, on vous enverra ça ce soir. Et je voulais remercier Dominique évidemment pour son témoignage. Il nous accompagne depuis 3 ans. C'est un de nos donateurs les plus généreux, donc je n'ai pas forcément envie que je le dise, mais je le remercie pour ça, parce que ça compte pour l'impact, pour la confiance aussi, pour les équipes. Et puis bien, merci à tous d'avoir participé à ce webinar, et merci à Delphine de l'avoir présenté. Eh bien, merci beaucoup. Merci. J'espère que c'était intéressant pour vous. J'ai vu qu'il y avait de plus en plus de questions, et je pense que c'est bien qu'Augustin puisse y répondre. On a fait le point donc lors de ce deuxième. J'espère qu'il y aura un troisième et qu'on pourra suivre. En tout cas, moi, au nom de la Tribune Afrique, je suis très heureuse de participer. J'espère que vous serez nombreux donc à soutenir Alima. Et je vous donne rendez-vous, si ça vous intéresse, sur la Tribune Afrique demain à 17h. Où nous faisons un débat justement sur la riposte africaine au Covid d'un point de vue économique. Et donc, vous êtes chaleureusement conviés donc à cette émission de demain. Et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci. Merci.